Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session de la série des conférences de l'ICROM. C'est la première conférence dans le cadre de notre programme Youth Heritage Africa. Comme pour les autres conférences, il y aura un temps pour la discussion après les présentations des panélistes. Et bien sûr, nous comptons sur vous pour poser des questions et participer à cette conférence. Pour cela, vous pouvez poser vos questions ou écrire vos commentaires en cliquant sur la petite icône Q&A, questions et réponses en bas de votre écran Zoom. Vos questions seront ensuite adressées aux panélistes qui les répondront. Au cas où nous manquons de temps pour réagir à toutes vos questions, interventions, laissez-nous votre adresse e-mail et nous reviendrons vers vous après la conférence. Alors, je voudrais introduire ce panel virtuel avec cette citation du professeur Ibrahima Diop lors de la conférence de préfiguration du musée des civilisations noires de Dakar. L'Afrique n'a pas seulement été le berceau de l'humanité, elle fut et reste un espace d'invention et de créativité où l'homme, à partir de ses capacités exceptionnelles d'observation, a su comprendre son milieu et inventer au quotidien les instruments indispensables à sa mise en valeur. En effet, en choisissant de concentrer ce webinaire sur les civilisations noires, nous voudrions donner un nouvel angle à cette thématique qui date de très longtemps et qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Cet angle fait justement place à la trajectoire historique du patrimoine culturel d'Afrique et de sa diaspora. Nous avons donc fait appel à des spécialistes et chercheurs sur la question pour couvrir les aspects philosophiques, historiques, identitaires et contemporains pour une meilleure valorisation du patrimoine africain et de sa diaspora. Alors, pour conduire la discussion, je vous présente Madame Aminata Ndoye, professeure d'histoire et de géographie de formation, détachée à la direction du patrimoine culturel du Sénégal après plusieurs années passées dans l'enseignement. Docteur Aminata Ndoye a participé à l'élaboration du dossier d'inscription des sites du Delta, du Saloum et du Bas-Bassari sur la liste du patrimoine mondial. Après son doctorat sur les liens entre le patrimoine mondial et le développement, elle est aujourd'hui chercheure et conseillère technique au ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement du territoire au Sénégal. Je vous donne la parole, docteur Ndoye. Merci, Espéra. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais vous remercier, souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont actuellement en ligne connectés pour suivre ce webinaire. Je voudrais aussi me réjouir d'avoir été désignée pour modérer ce webinaire. La thématique qui nous réunit aujourd'hui, comprendre la dynamique des civilisations africaines pour promouvoir le patrimoine de l'Afrique et de sa diaspora, apparaît comme une exigence de réflexion compte tenu du contexte actuel marqué par le débat sur la restitution des biens culturels africains, qui impose vraiment d'avoir un nouveau regard sur le patrimoine culturel africain. Au sein de l'élite intellectuelle africaine, mais aussi au sein de la diaspora, doit s'agiter aujourd'hui la réflexion. Parce que la restitution des biens culturels africains soulève la question des réalités culturelles locales, les contextes, les milieux d'usage qui déterminent la valeur sociale, religieuse, politique de certains biens qui n'avaient pas été pris en compte. Un pan important du patrimoine africain est constitué d'héritage de la période coloniale, d'où la nécessité de rompre aujourd'hui avec la conception traditionnelle occidentale des musées pour un renouveau. Il est ainsi temps de revisiter la trajectoire historique du continent, la dynamique de la civilisation noire, avec comme objectif de rappeler et développer une conscience patrimoniale, une fierté d'appartenance au sein de la jeunesse africaine
sont pour développer la créativité, l'innovation dans le secteur du patrimoine et pour être aussi en phase avec les agendas 2030, 2063 et les principes 2015 de l'UNESCO. Ce webinaire se propose donc de mettre l'accent sur la densité, la complexité et la dynamique de la civilisation noire dans le monde, de contribuer à une prise de conscience de la jeunesse africaine et afro-descendante sur la grandeur de la civilisation noire pour développer une certaine fierté et les représenter à promouvoir dans le patrimoine culturel africain. Nous avons des présentations qui ont présenté des liens entre les thématiques parce que si le contexte est rappelé à travers la civilisation, la restitution des biens culturels, le retour, il est important aussi de revisiter la trajectoire historique et la recherche de provenance. La diaspora étant une partie intégrante de cette histoire et une partie prenante avec qui il faudra travailler dans cette entreprise, nous avons une intervention qui va porter sur ça. La destination finale de ces biens culturels, que sont les musées, qui sont des infrastructures culturelles, doit aussi suggérer de revoir le rôle de la valorisation du patrimoine culturel africain, de voir quelle stratégie adopter dans le contexte actuel pour la promotion du patrimoine culturel africain. Voilà donc, chers collègues, participants, nous allons à présent présenter les panélistes. Les panélistes nous viennent du Sénégal, du Bénin, du Burkina et de Haïti. Il s'agit des experts qui sont dans leur domaine. Nous avons M. Abdoulaye Camara du Sénégal. Monsieur Abdoulaye Camara est un chercheur de l'Institut fondamental d'Afrique noire à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ses recherches portent sur l'archéologie préhistorique. Il a été conservateur du Musée historique de Gorée de 1989 à 2005 et du Musée d'art africain de 2005 à 2008. Aujourd'hui retraité, il continue de suivre des recherches internationales dans l'Est et le Sud-Est du Sénégal, des recherches ethno-archéologiques dans le delta du Saloum, et qui continue à dispenser des enseignements sur le patrimoine culturel à l'Université de Dakar et à l'Université de Saint-Senghor d'Alexandrie en Égypte, où il intervient comme professeur associé au département culture. L'autre intervenant nous vient du Bénin. Il s'agit de M. Didier Ouenoudé, qui est maître de conférences en histoire de l'art et enseigne à l'Université Abomey-Calavi. Il a été chef adjoint du département d'histoire et d'archéologie à la Faculté des sciences humaines et sociales de l'Université Abomey-Calavi, conseiller du ministre de la Culture, puis directeur du patrimoine culturel du Bénin en charge de la politique patrimoniale et des musées. M. Ouenoudé est actuellement directeur de l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture à l'Université d'Abomey-Calavi. Le troisième intervenant, M. Kessler Bien-Aimé de Haïti, est sociologue, photographe. M. Bien-Aimé est spécialiste du programme culture à la Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO. Ses recherches universitaires portent sur la sémiotique des images et de la mémoire des liens coloniaux. Il est membre du laboratoire Discours, Représentation, Langage, la DIREP, également membre du Centre de recherche culture, art, société. Monsieur Bien-Aimé anime le cours Patrimoine et Identité à l'Université d'État de Haïti. Monsieur, le quatrième intervenant, Monsieur Béli Herman Abdul Karim Nyangao du Burkina Faso. Monsieur Nyangao est conservateur de musée, ancien directeur des expositions et de la médiation du Burkina Faso, actuel directeur de la conservation et de la promotion du patrimoine culturel au ministère de la Culture. Il est actuellement doctorant à l'Université de Perpignan et Université Senghor en droit du patrimoine culturel. Monsieur Béli Herman est auteur de plusieurs publications dans le domaine du patrimoine culturel et de la muséologie. Voilà donc, chers intervenants, la présentation des intervenants. Nous allons sans tarder donner la parole à M. Abdoulaye Camara pour sa présentation sur civilisation noire et restitution des biens culturels, le retour, une nécessité et un devoir pour l'histoire. Voilà, M. Camara, vous avez la parole. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci pour ces présentations.
Et merci encore à l'UCOM de m'associer à cet événement. J'essaie de partager mon écran rapidement. Quand on est pressé, ça ne va jamais. Alors, je partage l'écran. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, on a essayé, tout marchait très bien. Partager. Il y a quelqu'un qui occupe la place, c'est l'ICROM là. Il faudrait peut-être l'enlever. Partager, vous êtes en train de partager l'écran. Si je partage l'écran, c'est l'ICROM qui arrive. Tableau blanc. Bon, je crois que si ça continue comme ça, je vais demander à ce qu'on envoie le PowerPoint que j'ai envoyé. Parce que je n'arrive pas à... Pardon. Je tombe pour partager sur l'écran, sur le home page de l'UCOM. Hein. Sur le home page de l'UCOM. Est-ce normal? Est-ce que vous m'entendez? Oui, professeur, je pense que vous pouvez d'abord ouvrir votre présentation et après, vous fermez. Exactement, okay. Ça marche, on voit très bien. J'ouvre, mais en principe, c'était ouvert. C'est bon, on vous voit. Ah, voilà, donc là, vous me voyez. Vous voyez l'écran que je partage? À la technologie, non, ça ne veut pas. C'est ouvert, mais je retourne ici. Si je remets partage, peut-être que ça ira. Partager l'écran. Il faudrait que j'échappe au mode plein. OK. Je pense que c'est celui-là. Voilà. Je ne sais pas si c'est mon écran ou l'écran de l'ICROM. Oui, c'est mon écran. Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que je peux commencer? Allô? Oui, allez-y, professeur. Oui, bien sûr, allez-y. Ah, OK, hop, c'est reparti. voilà. Écoutez, comprendre donc la dynamique de la civilisation noire pour mieux promouvoir... le patrimoine de l'Afrique et de sa diaspora, c'est le thème de notre thématique. Et moi, je dois intervenir sur la civilisation noire et restitution des biens culturels. Le retour, une nécessité et un devoir pour l'histoire. Donc, je commencerai par une citation qui date de 1978 du président Amadou Mokhtar Mbou, qui disait en 78, « Aussi bien ces hommes et ces femmes démunis demande-t-il que leur soit restitué au moins les trésors d'art les plus représentatifs de leur culture, ceux auxquels ils attachent le plus d'importance, ceux dont l'absence leur est psychologiquement le plus intolérable. Parce que quand on parle de biens culturels, du retour des biens culturels, le plus souvent, certains croient que c'est qu'on demande l'ensemble des biens. Mais non, il y a des objets qui sont indispensables à notre culture, à notre histoire, et on aimerait bien, comme par exemple les retrouver. Et quelle est aujourd'hui, on sait qu'il y a la plupart des objets africains d'une grande importance sont hors de ce continent. Le constat est aujourd'hui qu'on peut se poser beaucoup de questions. Pourquoi ces objets sont sortis? De quelle manière sont-ils sortis? Quand sont-ils sortis? Quelle est la nature des objets qui sont partis? Où sont-ils conservés? Est-ce que nous pouvons les récupérer? Si on prend si on voit l'Afrique au XVIIIe siècle déjà, avec très peu de mouvements à l'intérieur, où la plupart des royaumes étaient à l'intérieur des terres, à part quelques explorateurs qui venaient, c'est du moins l'Afrique au sud du Sahara n'était pas si menacée. Par contre,
la façade méditerranéenne comme l'Égypte, qui était en contact avec l'Europe, va connaître depuis la fin du XIIe siècle l'une des plus grandes campagnes de la campagne napoléonienne qui a permis le saccage, je ne dirais pas, ou bien le déplacement d'une énorme partie du patrimoine égyptien qui a été du coup reconnu dans le monde et qui a suscité énormément d'appétit. Je ne rentrerai pas dans les détails, je vous dirai seulement qu'il y a quelque chose dont les Égyptiens aimeraient bien récupérer, c'est certainement le buste de Nefertiti, l'épouse du pharaon Akhenaton, qui est conservé au musée de Berlin, ou bien la pierre de Rosette qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes qui est détenue par le musée par le British Museum. En 1884-1893, avec la conférence de Berlin, les Européens, les puissances européennes se partagent l'Afrique, qui se transforme en possessions françaises, britanniques, portugaises, espagnoles, allemandes, italiennes. Chacun, bien sûr, à l'intérieur de ses provinces, va essayer de capter énormément de matériel qui seront ramenés sur le continent européen pour montrer non seulement la puissance de ces États, l'étendue de leur empire, etc. Je vous parlerai que la plupart des objets qui seront captés ici sont des butins de guerre, des trophées, comme le butin de 1890, l'Empire de Ségou, qui a permis, les Français ont plus ou moins capté une bonne partie du matériel qui appartenait à El Hadj Omar, un résistant, comme également en 1892, le trésor de Béhanzin, qui se retrouve également en Europe, comme également le trésor que les Anglais ont fait main basse dans la capitale de Bénin à l'époque et qui sont aujourd'hui dispersés dans le monde et une bonne partie au niveau du British Museum. Bien sûr, c'est l'époque coloniale avec des missions à l'intérieur des terres, des territoires sillonnés par parfois des savants comme la mission Dakar-Djibouti qui est partie de 1931 à 1933, qui est partie d'ouest en est et qui a permis de récupérer énormément d'objets qui sont aujourd'hui au niveau de la France. Bien sûr, beaucoup de ces objets n'ont pas été collectés d'une manière déontologique. Et là, je vous renvoie à l'Afrique fantôme de Michel Leris. Il y a bien sûr durant cette période également la création de. Monsieur Camara, il vous reste peu de temps, près de 2 minutes. Pardon. Bon, la création d'institutions comme celui de l'IFAN, etc. Ce qu'il faut dire, c'est qu'également en Europe, il y avait les expositions coloniales qui permettaient de toujours montrer l'intérêt que l'Afrique pouvait susciter et une petite carte en bas qui vous montre que ces éléments-là étaient intéressés. Le retour, comme on dit, il nécessitait un devoir d'histoire. Des objets donc en parfait état de conservation sont en Afrique. Que serait-il devenu s'ils étaient restés en Afrique? Ce n'est pas la question que nous nous posons, mais parlons plutôt de sauvetage. Est-ce que ces objets qui ont été volés, arrachés comme trophées par les vainqueurs ne doivent pas être restitués? Les Africains privés donc d'une partie de leur mémoire ne pourront transmettre que ce qu'ils ont conservé aujourd'hui. Je vous renvoie encore à cette phrase d'Amadou Mokhtar Mbou de 1978 qui dit que les peuples victimes de ces pillages, parfois séculaires, ont été non seulement dépouillés de chefs-d'œuvre, mais ils ont été dépossédés d'une partie de leur mémoire. Le retour donc est un devoir pour l'histoire, comme également le soutien de l'Union africaine en 2006 dans sa charte qui dit qu'il faut prendre les dispositions pour mettre fin aux pillages, qui invite à mettre en place les conditions physiques pour que les objets soient bien conservés et qu'il faut ratifier bien sûr les conventions internationales en cours. Donc ça, bien sûr, on est tous d'accord avec le président français quand il dit que le patrimoine africain doit être mis en valeur à Paris, mais aussi à Dakar, à Lagos. En fait, le patrimoine africain doit être mis en valeur partout où les Africains, comme de la diaspora, peuvent l'observer, etc. Je vous montre les images qui ont été tirées donc, du musée du Quai Blanchy de Londres et du nouveau muséum des civilisations noires qui a mis cette thématique dans son actualité quotidienne. En guise de conclusion, je vous dirais toujours que l'enjeu n'est pas de récupérer tous les objets qui sont dispersés dans les musées occidentaux, ni de vider les réserves de ces musées.
L'enjeu est tout simplement d'avoir accès aux objets du continent et qu'on les retrocède en cas de violation des conventions nationales et internationales. La restitution est le début d'une reconnaissance nationale et internationale d'une partie de la souveraineté de certaines populations. Les pays sources n'ont pas pour but de vider les grands musées. Les pays pillés réclament qu'on leur, comme leur accorde l'UNESCO, un droit à conserver sur le territoire des éléments significatifs de leur culture et de leur passé. L'application de ce droit ne nécessite pas la mise à mort des grandes collections des musées. Donc, je vous remercie. Je m'excuse d'avoir été, si j'ai dépassé le temps qui m'est imparti. Merci. Merci, Monsieur Camara. Votre présentation qui est extrêmement importante pour lancer le débat pose la question de la revendication légitime, mais surtout l'historique des démarches depuis 1978 pour le retour de ces objets africains. Vous avez fait un peu un survol du 18e, 19e siècle, mais surtout la conférence de Berlin, comment l'ethnographie de terrain, comment les fonctionnaires coloniaux qui ont peut-être contribué un tout petit peu pour la connaissance de l'histoire, mais qui ont été aussi les artisans de ce qu'on peut appeler ce pillage de ces biens culturels. Donc, le retour est une nécessité, un devoir pour l'histoire. Donc, merci pour cette présentation très, 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 très intéressante et pertinente. Voilà, à présent, nous allons donner la parole au second intervenant, panéliste, M. Didier ONUD du Bénin, qui va présenter sur la trajectoire historique des recherches de provenance que retenir concrètement dans ce débat sur le patrimoine culturel africain. Monsieur ONUD, vous avez la parole. Merci, Madame Doy. En fait, je voudrais un peu donc revenir un peu sur le titre de ma communication qui va en fait porter sur le mécénat royal et l'art de cour dans le royaume du Dahomey. Alors, je voudrais, à l'entame de mon propos, déjà donc faire une clarification entre Dahomey et Dahomey. Dahomey concerne plutôt donc la colonie lorsqu'elle a été conquise par les Français en 1894, et Dahomey également fait référence donc au pays à son indépendance avant que le nom ne change donc dans les années 70. Alors le Dahomey, dans le royaume du Dahomey, les souverains du Dahomey ont très vite perçu l'intérêt que présentait par exemple là pour l'affirmation de la grandeur de leur royaume. Ils plaçaient donc le génie artistique au-dessus de toute considération sociopolitique. Je demande donc la première diapo pour vous montrer un peu par exemple l'extension de ce royaume-là. Alors, ils ont mis à leur service des artistes de grande renommée, indépendamment de leurs origines sociales et géographiques. Première diapo, s'il vous plaît. Le titre d'artiste de cour n'était pas donc attribué à n'importe qui, mais à ceux qui avaient déjà fait leur preuve. Il faut cependant signaler qu'avant l'agrandissement considérable du royaume, comme on peut le voir ici, les artistes n'étaient pas choisis dans la totalité de la population, ils étaient plutôt choisis, donc, si vous voulez, donc, au sein d'une élite sociale. Ainsi, ils ne pouvaient pas travailler aux alentours du palais qui voulaient, mais c'était les artistes issus de lignées royales ou de familles liées au vaudou. Alors, après les grandes conquêtes, notamment la conquête d'Alada, la conquête de Saïd, qui est aujourd'hui donc Vida, et à l'instigation du roi Gadia, le troisième de la dynastie, dans la première moitié du XVIIe siècle, ce qui a occasionné donc une déportation sur le plateau d'Abomey et de nombreux captifs parmi lesquels se trouvaient des artistes talentueux. Donc, les critères d'admission à la cour en tant qu'artiste se sont assouplis. Alors, à partir de ce moment-là, donc, les artistes provenaient désormais de toutes les couches sociales. Ils pouvaient être princes, maîtres de culte, hommes libres, esclavisés et même captifs de guerre. Et l'ironie de l'histoire veut qu'un grand nombre de captifs de guerre aient porté donc, la renommée du royaume du Dahomey en termes de production artistique grâce à leur ingéniosité artistique. Alors, donc, les arts dont je parle ici sont ce qu'on appelle donc, les arts de cour. Donc, c'est les arts qui ont été exercés au profit donc, de la cour royale. Alors, ces arts-là partent des bas-reliefs qui ornent les palais au célèbre trône, première diapositive, troisième diapositive, s'il vous plaît, en passant donc, par ce qu'on appelle donc, la toile appliquée qui était réalisée donc, également au niveau du palais. On retrouve donc ces différents éléments donc, dans
dans la image qui montre les bas-reliefs. Et le recrutement et l'insertion de ces artistes dans le paysage royal s'effectue donc par un système, comme je l'ai dit, qui s'est assoupli. Au départ, c'est donc des gens qui appartenaient à l'élite royale. Et ensuite, il a fallu donc justifier d'un talent certain pour pouvoir donc être recruté comme artiste de cour. Il fallait donc avoir des aptitudes supérieures à celles des autres. Et ce privilège était offert qu'à ceux qui excellaient dans le domaine respectif. Et lorsque parmi les prisonniers de guerre, par exemple, il y en avait un dont le métier était inconnu dans le royaume et dont les œuvres pouvaient fasciner le roi, mais le roi, il faisait quitter, donc, il sortait le captif de son statut de captif de guerre et le traitait de l'or comme son protégé. Alors, donc, on l'installait dans le du palais et lui offrait donc tout ce dont il avait besoin pour pouvoir s'épanouir. On lui offrait donc, on le mariait, il avait donc des épouses auxquelles on le mariait. On lui offrait, on lui déléguait des personnes à son service pour s'assurer donc de l'aide dans son travail. Et on lui donnait, on s'assurait également qu'il ne manque pas de matière première, qu'il ne manque jamais de matière première. Et le captif était censé produire exclusivement donc pour le plaisir du roi. En revanche, le captif pratiquait un métier qui existait déjà à la cour. On le mettait sous la coupe de la personne la plus douée dans le métier et qui était responsable de tous les artisans exerçant ce même métier. Le captif, dès lors, pouvait donc user de ses connaissances pour pouvoir améliorer la qualité des œuvres qui étaient produites. Puis, il y a une chose également qu'on note dans le royaume du Dan romain, c'est celle donc des mariages particuliers qui existaient entre les souverains, les rois, et les artistes très cotés. Ainsi, par exemple, il y a eu des exemples assez célèbres comme le roi Ganglo qui a régné de 1789 à 1797, qui a épousé donc de façon symbolique un tenturier du nom de Yemadjé, donc spécialiste dans ce qu'on appelle l'étoile appliquée. Il s'agit donc, si vous voulez, donc de mariages symboliques qui permettaient donc à l'artiste en question de bénéficier de très gros avantages. Il était par exemple aussi pour cet artiste-là d'entrer dans l'intimité directe du roi, comme les épouses du roi. Donc il devenait, si vous voulez, en quelque sorte une épouse du roi entre guillemets. Donc il avait accès à la cour privé du roi, et il y a eu de nombreux artistes dans le cas qui ont été donc épousés, en guillemets, donc, par certains souverains qui étaient donc des mécènes qui se donnaient donc le pouvoir de pouvoir aider à prospérer donc les arts. Alors, le métier d'artiste royal, il n'y avait pas que des avantages, il y avait également donc des contraintes. Les contraintes, c'était de produire donc des produits de très bonne facture pour le roi. Et il fallait également que les artistes en question fassent preuve de sagesse, de reconnaissance, et qu'ils mettent tout leur génie au service du roi, mais ils devaient également travailler en toute discrétion. En toute discrétion, personne ne devait découvrir donc l'œuvre finale avant le roi. Et les œuvres qui étaient produites ne devaient souffrir d'aucune faille. Et lorsque les objets étaient apportés au palais du souverain, celui-ci les examinait attentivement, puis il donnait son verdict. Il les acceptait ou il les rejetait. Et les œuvres qui étaient acceptées étaient donc mises donc dans la salle au trésor. Et ces objets-là étaient par la suite donc exposés pour les hôtes de marque du souverain qui venaient les voir. Et lorsque, par exemple, les hôtes de marque du souverain apprécier ces objets qui avaient été exposés, ben l'artiste entrait dans l'intimité du roi. C'était une façon également de pouvoir donc coopter les artistes dans l'intimité du roi. Alors, il y avait également donc dans cette pratique dans le royaume romain du roi mécène qui aidait donc les artistes, une façon également de transmettre les savoirs. Donc, les transmissions se faisaient, comme je l'ai dit, donc à travers donc des artistes doués qui sont mis en apprentissage à leur plus jeune âge, et qui donc sortaient donc de l'apprentissage à un certain âge mûr. Hein. Il y avait également des enfants de dignitaires, des enfants de ministres, des enfants de rois qui étaient également mis en apprentissage pour pouvoir donc apprendre le métier artistique. Et l'un des exemples les plus célèbres que l'on cite, c'est le roi Ganglo qui aurait lui-même, d'après donc la tradition orale, sculpté son propre trône. Je pense que je vais m'en arrêter là. S'il y a des questions, on va peut-être en débattre davantage. Je vous remercie.
Merci, M. Ouenoudé, pour votre présentation. Dans cette présentation, vous avez peut-être pris l'exemple d'insister sur le mécénat royal et l'art de cour dans le royaume du Dahomey. Donc, vous avez présenté les bas-reliefs du Dahomey que l'on retrouve sur les murs des palais royaux d'Abomey et la signification de ces images en termes d'expression de pouvoir dont les communautés peuvent aujourd'hui se réjouir. Donc, avec les valeurs que renferment ces bas-reliefs, avec des artisans qui sont toujours au niveau des palais royaux d'Abomey, qui sont les descendants de ceux qui ont travaillé dans le passé pour ces rois. Donc, votre présentation extrêmement importante illustre tout simplement la trajectoire historique du continent. Donc, nous vous remercions pour cette présentation très importante qui nous introduit dans l'histoire du royaume du Dahomey. Voilà, merci, monsieur Ouenoudé. Nous allons à présent passer la parole au troisième intervenant, monsieur Kessler, bien-aimé, sur l'afrodescendance, comment préparer l'avenir ensemble. Monsieur Kessler, bien-aimé, vous avez la parole. Infiniment merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est bon, merci. Merci, Madame la Présidente. Merci à l'ICOM pour cette invitation. Merci d'avoir accepté ma communication. Suivant. OK, merci beaucoup. Et bon, en fait, le sujet que je présente, c'est l'afrodescendance, comment préparer l'avenir ensemble, bien entendu. Bon, ma coup de communication ne consiste pas à présenter des recettes. Bien entendu, pour me démarquer et des attentes légitimes, je dirais, et face aux nouveaux défis, comment élaborer de nouvelles utopies susceptibles de faciliter l'émancipation des sujets humains en situation de racisation séculaire. Et ensuite, comment les Afro-descendants peuvent s'affranchir des imaginaires coloniaux imposés par des circonstances historiques afin d'être capables d'imaginer enfin des projets de solidarité durable. Suivant. En fait, il y a une estimation, ici, il y a le E, désolé, et il y a l'estimation qui est faite à partir de l'ONU. Il s'agit de, globalement, en termes de population, de 200 millions de personnes en situation, qui se considèrent d'ailleurs comme d'ascendance africaine, en Amérique, bien sûr, et ailleurs. Suivant. Bon, en termes de perspective globale, je dirais qu'il y a toute une construction du discours ou des représentations concernant les afro-descendants. Et global, il s'agit, on peut voir à partir de M. Antonio Guterres, et secrétaire général des Nations Unies, lui, il a dénoncé justement la situation des afro-descendants. Il pense que c'est déjà tard et trop tard, il fallait justement agir bien avant. Et on a trouvé une déclaration en termes de construction également dans une perspective globale. Et la déclaration et également le programme de Durban en Afrique du Sud et 2001, reconnaissant les torts qui avaient été causés, qui sont encore causés aux Afro-descendants. Et plus actuellement encore, on a trouvé des thèmes, et un thème assez important, par exemple, il y a une décennie de reconnaissance et justement en faveur des Afro-descendants. Et autour des éléments absolument importants comme reconnaissance, et parce qu'ils souffrent finalement de cette reconnaissance, et d'autre part, la justice, et ensuite, le développement. Et l'Assemblée générale de l'ONU, le 28 décembre dernier, institue la journée du 31 août comme célébration comme journée de célébration des personnes d'ascendance ou d'origine africaine. Maintenant, arrivons plutôt à partir d'Haïti, c'est-à-dire un pays qui se considère
qui se considère et est considéré comme l'épicentre finalement de la rupture coloniale. Et la problématique, c'est de toute façon, si on regarde bien, depuis, on avance avec le PPT, s'il vous plaît, avance. Merci. Merci. Et si on regarde, regardons ça, la genèse de cette construction à partir d'un point de vue, d'un point de vue régional, c'est-à-dire l'Amérique et plus particulièrement et dans les Caraïbes. Et genèse de cette construction identitaire africaine en dehors de l'Afrique, l'afrodescendance est une formule renouvelée qui en offre un cadre nominaliste à la fabrication d'une identité africaine. La rupture coloniale des Africains, et je reprends, ici, la rupture coloniale des Africains à Saint-Domingue, une fois instituée, le 1er janvier 1804, comme évidence, le père fondateur de l'indépendance haïtienne, Jean-Jacques Dessalines, lance l'orientation pour construire cette identité africaine dans le Nouveau Monde. Dans la rupture, dans la proclamation du 28 avril 1804, il précise aux générations de son temps et futur, « J'ai vengé mon pays, j'ai vengé l'Amérique et toutes les nations éteinte dans la servitude. » Et là, je précise, si c'est possible, et quand on parle de mon pays, Dessalines se référait bien sûr à l'Afrique. Quand il parle de terre, de « j'ai vengé l'Amérique », là, il parlait des terres amérindiennes et finalement captées, saisies par l'occupant. Mais on pourrait justement regarder, avancer avec le PPT, s'il vous plaît. En fait, face aux velléités, toujours dans une perspective de genèse, de construction de cette représentation afro-africaine et dans les Caraïbes et en Amérique, et globalement, face aux velléités des mulâtres, fils et filles, de blancs et esclavagistes déchus, Dessalines, c'est-à-dire le père de la patrie haïtienne, pose la nécessité d'une juste redistribution des ressources de la nouvelle nation en demandant, et les Noirs, dont les pères sont encore en Afrique, n'auront-ils rien? Pour la première loi mère d'Haïti, la constitution impériale de 1805, tous les Haïtiens sont reconnus sous l'appellation noir. Hanté par les imaginaires de cette alma mater, l'Haïtien du vaudou, donc majoritaire en Haïti, croit dur comme fer qu'après sa mort, son âme voyagera à Guinée pour le repos éternel. Mais bien entendu, avec plus de temps, et s'il était permis, je pourrais faire ce même exercice pour d'autres pays dans la région, comme la Jamaïque, la Guadeloupe, la Martinique, les États-Unis. Et par exemple, en Guadeloupe, on sait bien qu'il y a la soupe à Congo, la Jamaïque, le rugby jamaïcain, avec son leader dès le départ des années 40, le Jamaïcain et Marcus Garvey. Et en Martinique, récemment mort, père son âme, et le chanteur et guitariste, compositeur, etc. de Kassav nous dit, nous sommes tous Africains. Et on se rappelle bien des luttes civiques dans la région, et notamment aux États-Unis, et que justement, et le PPT, l'autre PPT, si c'est possible, merci. On a ici quelques photos, on ne va pas s'attarder dessus, etc. Mais quand même, ça nous dit quoi? L'afrodescendance, ce terme renvoie aux personnes nées hors d'Afrique, dont les ascendants, ancêtres, bien entendu, nés en Afrique. Et tout comme le mouvement de la négritude des années 1930-1960, le panafricanisme 1940, à nos jours, l'afrodescendance est une prise de conscience progressive de la diaspora africaine dans son interaction avec l'altérité. Et si on n'a pas le temps pour discuter des images, mais quand même, ce sont des figures de l'afrodescendance, d'une part, et voire même quelqu'un comme Sémi Séba, qui est censé dans le continent et nous fait, qui prend la relève, qui anime finalement le débat autour du panafricanisme et de l'afrodescendance globalement. Il est venu en Haïti. Salut à ce monsieur. Et on peut s'attarder quand même, avant de voir un extrait du discours de Malcolm X, et notamment durant le sommet de l'organisation. Durant le sommet de l'Organisation de l'Union africaine en juillet 1964. Il a dit, nous sommes de toute façon le problème concernant les 22 millions afro-descendants en Amérique et qui n'ont pas nécessairement fait le choix d'y être,
Il a dit, le problème, nos problèmes, ce sont les problèmes des Africains. Les problèmes des Africains, ce sont également les nôtres. Je vous en remercie et je crois que le PowerPoint est assez long, mais je vous donne globalement, tenant compte, si je peux dire, que les Afro-descendants et globalement n'ont pas nécessairement les mêmes problèmes en termes de catégorie sociale. De toute façon, ils subissent et les mêmes problèmes, par exemple la racisation et l'exo-épistémicide. Je vous en remercie. Monsieur Kessler, bien-aimé, pour votre présentation, une présentation qui a insisté sur comment préparer l'avenir ensemble, ouvre plein de perspectives, mais surtout vous nous introduisez sur les questions de l'émancipation, la question du racisme, de l'affranchissement, mais surtout de la diaspora africaine. Dans une perspective globale, mais surtout toutes les déclarations au niveau institutionnel pour la reconnaissance des personnes d'ascendance africaine. Donc, la genèse d'une construction identitaire en Afrique. Donc, comment le combat doit être le combat de la diaspora, mais aussi des intellectuels africains. Donc, c'est très rassurant, le problème des Africains, les problèmes des Africains sont nos problèmes. Voilà, merci pour votre présentation. Je pense que l'exemple que vous avez donné s'applique aussi bien pour la Jamaïque, Guadeloupe, Martinique, etc., pour le Sao Tomé et Principe, etc. Merci, monsieur bien-aimé. Nous allons donner la parole au prochain intervenant, le dernier, monsieur Billy Herman Abdul Karim Nyangao, qui va faire une présentation sur. Voilà, je n'ai pas mis la présentation. Monsieur Nyagao qui va présenter. Voilà, je lui donne la parole, Monsieur Nyagao, qui va nous rappeler un peu le titre de sa présentation. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je ne sais pas si l'on m'entend très bien. Allô? Alors voilà, donc votre présentation qui va insister sur le rôle des musées et des institutions culturelles africaines dans une nouvelle dynamique de promotion du patrimoine culturel africain. Voilà, Monsieur Nyagao, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors moi, je vais très rapidement inviter davantage le jeune Africain à découvrir son héritage dans une perspective de développement culturel. J'aurais pu tout simplement dire dans une perspective de développement. Alors, pour cela, il faudra, à mon avis, se souvenir de l'héritage de nos pères. Et lorsque l'on parle de patrimoine, nous convenons au sens étymologique du terme de dire que le patrimoine, c'est l'héritage des pères. Et en tant qu'héritage des pères, moi, je voudrais inviter le jeune Africain à se souvenir de cet héritage qui a été légué par l'ensemble des pères. Et pour pouvoir illustrer ce propos, j'ai choisi dans cette courte présentation d'évoquer deux d'entre eux considérés aujourd'hui comme des panafricanistes dont les idées ont transcendé et continuent de transcender le temps et l'espace. Le premier d'entre eux, c'est le professeur Cheikh Anta Diop, qui est né en 1923 et décédé en février 1986. Alors, lorsque l'on parle de Cheikh Anta Diop, beaucoup le connaissent comme un éminent scientifique. On parle de lui en tant qu'anthropologue aussi. On parle du professeur Cheikh Anta Diop en tant que chimiste. On parle du professeur Cheikh Anta Diop en tant qu'écrivain. Mais j'estime que dans le domaine restreint de la culture, surtout du point de vue professionnel, je trouve qu'on oublie souvent de dire, d'évoquer le professeur Cheikh Anta Diop comme un homme de culture. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le professeur Cheikh Anta Diop constitue lui-même en tant que personnalité, je vais dire sa vie et son œuvre constituent en elle-même un patrimoine
qu'il faut valoriser aujourd'hui. C'est vrai, en dépit de toutes les controverses qui ont été, dont il a été l'objet, moi j'invite aujourd'hui l'ensemble des Africains, surtout les professionnels de la culture, à valoriser davantage cet héritage qui nous a été légué donc, par la vie et l'œuvre donc, de Cheikh Anta Diop. Le deuxième illustre dont je vais évoquer ici dans mon propos, il s'agit de capitaine Thomas Sankara, qui est né un certain jour de Noël 1949 et décédé en 1987. D'ailleurs, le premier Cheikh Anta Diop a influencé donc, Thomas Sankara, c'est clair aujourd'hui, des études tendent à le montrer. Et plus loin, nous verrons qu'ils se sont parlé pour la création donc, de l'Institut des Peuples Noirs. Et l'Institut des Peuples Noirs, c'est une idée de Thomas Sankara qui est né dans les années 80 et qui a été concrétisé en 1986 à l'occasion d'un symposium qui a réuni plusieurs Noirs, on va dire ça comme ça. Il y avait non seulement des Noirs, mais d'autres peuples aussi, venus de l'Afrique et de la diaspora. Donc, l'Institut des Peuples Noirs, cela avait été porté au début par son initiateur, et se fonde sur le fait qu'on peut se poser la question aujourd'hui, quel est l'apport de l'homme noir à la civilisation de l'universel. Et cette question que vous voyez affichée a été donc est considérée aujourd'hui par plusieurs auteurs comme étant le fondement même de l'Institut des Peuples Noirs, qui, après sa création en 1990, a connu une certaine léthargie. Mais revenons encore sur ses objectifs. Au nombre des objectifs de l'Institut des Peuples Noirs, il faut rappeler que l'UNESCO, en son temps, avait été associé donc à ce projet. Donc, il y a un certain un Béninois qui avait été dépêché à Ouagadougou donc, pour accompagner les Burkinabés donc, dans la mise en œuvre de ce projet. Donc, je reviens sur les objectifs. L'Institut des Peuples Noirs avait donc comme objectif de stimuler, entre autres, les capacités d'imagination et de création chez les Noirs, de contribuer à l'émergence d'une nouvelle conscience historique. L'un des objectifs, c'était aussi de contribuer au renforcement et à l'affirmation des caractères communs des identités culturelles des peuples noirs par la sauvegarde et la mise en valeur de leur patrimoine culturel qui témoigne et explique leurs affinités. Donc, je crois que dans la présentation de mon prédécesseur, certains aspects sont ressortis. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de recontextualisation donc, de l'Institut des Peuples Noirs et après sa création en 1990. Je disais tantôt qu'il a connu une certaine léthargie pour certainement des raisons politiques, mais depuis l'année passée, c'est-à-dire en 2020, sous donc, l'action de M. Abdoul Karim Sango, ancien ministre de la Culture du Burkina Faso, et on a décidé donc de redonner vie à l'Institut des Peuples Noirs, tout en pensant à une recontextualisation. Et c'est M. Ousmane Diguende qui a été mandaté comme secrétaire technique donc, pour conduire le processus, la réflexion autour donc, de la renaissance de l'Institut des Peuples Noirs. Alors, je ne saurais terminer mon propos sans évoquer aussi au nombre de l'héritage qui a été légué par les pères. Je ne saurais terminer sans évoquer le manifeste culturel panafricain, qui est un important document qui a été adopté sous l'égide de l'OIA en 1969 à l'occasion du premier festival culturel panafricain. C'est vrai, il y a eu le premier festival des arts nègres qui s'est tenu à Dakar bien avant ça, mais nous voulons souligner donc le rôle important du manifeste culturel panafricain en tant qu'aujourd'hui un puissant instrument de politique africaine qui contient à un moment donné de l'histoire le point de vue des Africains sur ce que c'est que la culture, son objectif dans le développement. Alors, quelle perspective donc, au regard de tout cet héritage-là, quelle perspective pour le sur la responsabilité des institutions culturelles, plus précisément pour ce qui est des musées? Alors, en ce qui concerne les équipements culturels dont nous avons hérité de la colonisation, notamment les musées, je trouve qu'ils doivent participer de façon suffisante à la diffusion et à la vulgarisation de cet héritage de nos pères. Donc, ces institutions culturelles doivent davantage s'impliquer dans la valorisation de cet héritage. Ensuite, il faut adapter les grandes idées au contexte et s'inspirer de la dynamique qui a été impulsée.
Voilà, j'ai parlé tantôt, les grandes idées ont été celles de Cheikh Anta Diop et de tous les autres. Les musées, les autres institutions culturelles doivent également s'intéresser et prendre part au grand débat en cours sur les questions contemporaines. C'est d'ailleurs dans ce sens que les musées, en ce qui concerne leur cas précis, vont contribuer à démontrer de leur pertinence sociale. Lorsqu'ils apprendront à prendre position, à prendre position par rapport aux grandes questions, ce qui concerne notamment le terrorisme, le retour des biens culturels, et les deux professeurs qui nous ont précédés ont évoqué cette situation, et aussi penser à l'ouverture, notamment en ce qui concerne la promotion de la diversité culturelle aujourd'hui. Et enfin, les équipements culturels, notamment en ce qui concerne les musées et tous les professionnels, nous devons constamment nous remettre en cause dans une perspective de développement culturel. Car si Cheikh Anta Diop avait dit en son temps que la liberté passe par la restauration culturelle des peuples dominés, aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence, aucune culture enfermée sur elle-même ne peut se suffire. Voilà l'essentiel de mon propos. Je vous remercie. Merci, M. Béli Herman Abdoulkarim Niagao du Burkina. Nous vous remercions pour votre présentation qui est d'abord partie de rappel de la notion de patrimoine et qui a rappelé aussi les grandes figures historiques de l'Afrique, en parlant de Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara, comment il faut essayer de préserver les héritages laissés par ces grandes figures à travers ce dont vous avez parlé tout à l'heure, cet institut créé par M. Thomas Sankara. Mais vous êtes aussi revenu sur la question des musées, qui est extrêmement importante dans le contexte où on parle de retour des biens culturels africains. Quelles actions mener pour la promotion et la valorisation de ces biens culturels? Mais vous avez rappelé aussi un élément extrêmement important, c'est comment se remettre en cause, comment s'intéresser et prendre part au grand débat. Parce qu'il y a de grands débats qui agitent le continent, c'est le terrorisme, c'est la diversité culturelle qui est extrêmement importante. Parce qu'on a l'habitude de dire que l'humanité n'est pas uniformité, l'humanité c'est diversité. Donc vous avez mis l'accent sur cet élément, donc votre présentation très intéressante. Voilà, nous venons de suivre les quatre panélistes sur les thématiques extrêmement importantes qui ont cherché à cerner la question de comment comprendre la dynamique des civilisations africaines pour mieux promouvoir le patrimoine de l'Afrique et de sa diaspora. Donc, nous sommes partis de la présentation de M. Abdoulaye Camara sur la question du retour, une nécessité comme devoir pour l'histoire. Nous avons aussi vu la présentation de M. Ouenoudé, avec partie de l'exemple du royaume du Dahomey avec ses barrages. Nous avons eu aussi la présentation de M. Kessler Bien-Aimé sur l'avenir, comment préparer l'avenir, et en rappelant un peu sur la diaspora africaine qui est là, près de l'élite africaine, des intellectuels africains, pour essayer de trouver des solutions pour la jeunesse et la construction d'une identité africaine. Donc, cette présentation nous a conduit vers celle de M. Béli Herman Abdoul Niagao, qui a rappelé aussi la notion de patrimoine, etc. Donc, nous venons de dire. Donc, nous avons des points clés qui demeurent et qui sont tout simplement quels sont les procédés pour essayer de revoir ces biens culturels et les replonger dans leur contexte dans lequel ces biens ont été prélevés pour que vraiment puissent avoir une contribution africaine à la civilisation de l'universel. Voilà donc des points qui sont ressortis de ces différentes présentations. Donc maintenant, on va aller vers les questions-réponses, ouvrir la discussion pour les participants. Voilà donc des participants qui ont des questions ou bien des suggestions. Vous pouvez lever la main, nous restons à l'écoute.
S'il y a des questions, il faut lever la main en bas de l'écran. S'il y a des questions par rapport au... Oui. Merci, Madame la modératrice. Je pense qu'il y a des questions qui viennent dans le chat et par d'autres canaux. Et j'ai avec moi deux questions ici. Et je pense, la première question, c'est est-ce qu'on doit dire civilisation noire au singulier ou on doit dire civilisation au pluriel? Civilisation noire au pluriel. Et je pense que c'est une question pour le professeur Camara, en fait. L'autre question que j'ai aussi ici, c'est pouvons-nous lier le patrimoine culturel africain au patrimoine de la diaspora? Mais si oui, est-ce qu'on peut le conserver, le promouvoir avec les mêmes outils? Alors, il y a une question, ça c'est pour M. Kessler, il y a une question pour le professeur Wenunde, qui a parlé de la création artistique au temps des royaumes. Du Dahomey, par exemple, et on veut savoir est-ce qu'on peut affirmer que le patrimoine est d'abord une œuvre contemporaine, c'est ça, et après il y a une dernière question, c'est pour Monsieur Belli, c'est la pertinence sociale des musées en Afrique. Y a-t-il une place pour les jeunes au niveau de votre institution? Merci. Madame Aminata, votre micro est fermé. Merci pour votre question. Je pense que les intervenants ont peut-être pris la parole sur les civilisations noires au singulier ou au pluriel. Voilà, plus au patrimoine culturel africain ou de la diaspora, sur le patrimoine africain comme œuvre contemporaine, hein, la pertinence sociale des musées. Voilà, donc je ne sais pas si les intervenants vont prendre la parole ou bien on donne la parole à d'autres questions. S'il y a d'autres qui veulent intervenir, s'il y a d'autres questions. Je rappelle qu'il faut voir sur l'écran, lever la main. Bon, je me fais le devoir de faire le relais d'une autre question qui vient d'arriver. Je pense que même après ça, les panélistes peuvent répondre et on va continuer. Il y a un monsieur qui a dit qu'il est resté sur sa faim lorsque le dernier intervenant a présenté quelques figures panafricaines. En taisant, par exemple, les noms de Kwame Nkrumah, Sékou Touré et bien d'autres. Donc, c'est une question pour M. Belli. Oui. Et après, on dit, je voudrais savoir aujourd'hui, en tant qu'Africain, comment positionner le musée dans la vie et l'éducation de la jeunesse. Ça répond un peu à la question à M. Belli sur la paix sociale des musées en Afrique. Donc, mais il peut répondre, ouais. Je pense qu'on peut y aller. Voilà, je vois que c'est des questions très intéressantes qui sont adressées au dernier intervenant et l'autre sur les figures de mon collègue de Burkina, voilà, qui est interpellé par rapport à cette question. Donc, sinon, on prend la parole pour répondre à ces questions s'il n'y a pas d'autres questions. Voilà, je vois M. Wenoudé qui lève la main. Voilà, monsieur, vous pouvez nous donner la parole. Oui, je commencer à répondre à la question qui m'a été posée. Est-ce que le patrimoine commence déjà donc, avec ce qui est contemporain? Je pense que la notion de contemporanéité signifie ce qui va avec le temps dans lequel nous vivons actuellement. En fait. Donc, je dirais par exemple que le patrimoine se constitue dans le temps. Donc, il est possible que des œuvres créées à un moment donné, à un moment T de l'histoire, par exemple, deviennent des éléments du patrimoine quelques années plus tard, des siècles plus tard ou quelques années plus tard. Donc, oui, le patrimoine, on peut dire que le patrimoine commence à se constituer déjà. Avec ce que nous sommes en train de créer, par exemple, comme œuvre artistique, si elle
elles deviennent des œuvres avec une valeur universelle exceptionnelle demain, mais écoutez, elles seront considérées, donc ces œuvres que nous avons créées, donc, comme du patrimoine, pas donc, ce que nous avons suscité. De toute façon, tout ce qui est savoir-faire, élément exceptionnel, qui est transmis aux générations qui suivent, c'est un élément du patrimoine. Le patrimoine, c'est déjà ce qu'on transmet, c'est l'héritage. Donc oui, les créations artistiques, lorsqu'elles sont, lorsqu'elles sont importantes pour une communauté donnée, elles deviennent du patrimoine pour cette communauté-là, qui décide donc de la transmettre aux générations futures. Donc oui, je dirais que oui, le patrimoine, les œuvres qui ont été créées sont donc peut-être du patrimoine. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci, M. Wenoudé, pour cette précision sur le patrimoine comme une œuvre contemporaine. Voilà. Si les autres intervenants peuvent répondre aux questions qui ont été posées. Oui, je peux. Pas de questions. Voilà, M. Bien-Aimé, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. La vidéo. Ça ne marche pas. On ne voit pas. Mais je réponds. Et justement, par rapport à la question concernant le patrimoine, est-ce que le patrimoine de la diaspora est-ce que l'Afrique peut compter? Est-ce que l'Afrique peut s'en approprier? Non, je peux prendre la question. Oui. C'est dit, pouvons-nous lier le patrimoine culturel africain au patrimoine de la diaspora? Si oui, est-ce qu'on peut utiliser les mêmes outils pour les conserver et pour les promouvoir? Dans le sens de la conservation, je crois qu'il y a eu une intervention sur l'aspect muséal. Probablement, je n'allais pas nécessairement répondre sur cet aspect. Et je m'intéresserai plutôt au symbolique de la question. Et dans le sens, par exemple, il y a une appropriation qui est déjà faite des deux côtés, que ce soit du côté de l'Afrique, c'est-à-dire et des Afro-descendants. Et prenant le cas et dans la région, et notamment et des Caraïbes, et notamment des États-Unis. Et dans ma présentation, j'ai tenté quand même de démontrer comment cette construction est faite. La révolution haïtienne, et si on prend le livre, l'ouvrage de par exemple, de Laurent Dubois, et il est clair, et selon lui, que cette révolution est une révolution des Africains en Amérique. Et bien entendu, et que les Africains, en général, quand ils viennent en Haïti, ils ont cette impression et ils communiquent cette impression et que voilà, finalement, ils sont chez eux. Et qu'au-delà des artefacts, etc., qui peuvent être conservés, il y a un symbolisme. D'une part, il y a des liens, et d'autre part, mais des liens qui vont au-delà de l'épidermique. Et c'est justement la question qui se pose. Au niveau des droits civiques et aux États-Unis, par exemple, mais justement, les leaders... l'un et l'autre, donc ils vont en Afrique, ils s'inspirent du panafricanisme et le reggae jamaïcain par exemple se considère également comme une musique africaine, le zouk et bien entendu de la Martinique se considère et comme une musique également inspirée et de l'Afrique. Donc L'idée ici que je tente de soutenir, c'est qu'il y a cette appropriation des deux côtés, c'est-à-dire, et c'est une inspiration du côté des Afro-descendants qui se réfèrent à l'Afrique. En même temps, l'Afrique doit compter sur sa diaspora pour s'enrichir. Et c'est une dynamique assez absolument agréable et de voir comment cette terre-mère, et ce continent-mère, finalement, continue à alimenter et comment... Et finalement, ces liens et d'outre-Atlantique continuent finalement de s'alimenter, etc. Donc, je crois que le coupé cloué haïtien, ce musicien, est proclamé, entre guillemets, roi en Afrique et il a été finalement bien acclamé. Donc, en ce sens, il y a cette co-construction, cette co-appropriation qui est faite, et du point de vue symbolique, de la culture africaine et l'Afrique, bien entendu. Quand un Africain se déplace pour venir nous voir dans la région, eh bien, il est bien content de se sentir finalement justement chez eux. Merci. Merci, M. Kessler, bien-aimé, pour votre réponse. Il y a d'autres questions qui ont été posées.
à Monsieur Belli. Monsieur Belli a parlé de l'importance pour nos professionnels de la culture de participer au grand débat du continent que sont le terrorisme, le retour des biens culturels. Quel est l'impact de nos contributions si finalement les décideurs ne tiennent pas compte de nos propositions? Par exemple, sur les ODD, aucun des 17 n'est directement lié à la culture. Que pensez-vous de cela? Bon, l'autre question s'adresse à Monsieur Camara, qui va déterminer quels sont les artefacts à rapatrier et ceux qu'on peut laisser à l'étranger, comment établir les critères. L'autre question, la question de l'afrodescendance à M. Kessler, peut-elle être considérée aujourd'hui comme l'axe de coopération entre les peuples africains et les afrodescendants? Comment ça se passe du côté africain pour ancrer ce mouvement dans les cultures du continent? Il y a aussi une dernière question. Voilà, donc je pense que c'est ces questions-là qui ont été posées. Voilà. Donc ensuite, il y a la question sur le panafricanisme. Et être aujourd'hui panafricaniste, qu'est-ce que cela signifie? Comment faire pour contribuer au développement du continent? Donc voilà les questions qui ont été posées aux intervenants. Il y a des questions qui s'adressent à M. Camara, à M. Belli et M. Kessler. Voilà. Oui. Vous m'entendez? Oui, M. Camara, allez-y. Oui, vous m'avez posé la question à savoir quels sont les objets qui sont importants à rapatrier, etc. Et autres. Moi, je crois qu'il y a... peut-être... C'est bon? Ce qu'il faudrait... Je vais me résumer en quelques mots. Ce qui est sûr, c'est que dans notre cheminement historique avec le monde occidental, il y a eu des objets qui sont partis de l'autre côté d'une manière illégale, illégitime, des objets qui font depuis longtemps l'objet de réclamations parce que ce sont des objets qui correspondent à des identités de certaines communautés et que des objets qui sont soit dans le rituel, soit dans les instruments du pouvoir et autres, dont il est fondamental qu'ils reviennent. Et ces objets-là, il ne faudrait pas qu'on se trompe, ont été réclamés depuis longtemps. Depuis que ces objets sont sortis du territoire, il y a eu des communautés qui les ont réclamés. C'est pourquoi nous disons que ces types d'objets doivent être rapatriés. Je ne vous ai pas parlé de quand Macron, quand même, le président Macron a dit qu'il fallait restituer les objets. Ce qui est bien, c'est que c'est le premier chef d'État occidental à dire on va rendre les objets qui ne nous appartiennent pas. Des experts ont été commis. Ces experts ont travaillé dans la plupart des musées, surtout au niveau du musée du Quai Branly, où se trouve la plupart du matériel africain. Ils ont regardé les fiches d'inventaire, ils ont questionné les communautés qui étaient détentrices de ces objets. Ils ont fait la part des objets qui sont là-bas d'une manière illégitime. Et ces objets-là doivent être considérés comme des objets qui doivent être rendus. Et vous le savez, je vous ai montré le sabre de la Joma, mais je ne vous ai pas dit que le sabre a été retourné au Sénégal. Il est au niveau du musée des civilisations noires d'ici. Le trésor de Béhanzin, également le problème réglé parce que la France les restitue. Bien sûr, il y a eu toujours pour ces restitutions le cas de l'inaliénabilité des collections parce que les collections qui rentrent dans le patrimoine français sont considérées comme appartenant aux Français, mais il y a, comme on dit, des contournements de droit qui permettent au peuple actuel de récupérer leurs objets et de les mettre en valeur dans les endroits qu'ils jugeront nécessaires. Certains ont dit qu'il ne faudrait pas rendre les objets au musée, mais plutôt aux communautés qui étaient détentrices. Mais ce qu'il faudrait savoir également, c'est qu'une histoire qui est très ancienne, depuis le 19e siècle, il y a eu, les communautés ont évolué, les traditions ont évolué, les objets qui sont partis ont été peut-être remplacés par d'autres types d'objets,
il ne faudrait pas essayer de réduire le cercle en disant qu'il faut nécessairement que ça soit au niveau de cette communauté. Le confier à un musée qui est de type national permet à tous les individus du pays de profiter de ces objets. Moi, je pense que si on met le sable de la Jomar au niveau du musée des civilisations, c'est l'ensemble, que ce soit la communauté tidiane, que ce soit la communauté sénégalaise, que ce soit les Sénégalais de la diaspora, tous les gens seront sensibles à ce geste et pourront visiter cet objet. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Oui, oui, vous avez bien répondu à la question. Mais il y a une autre question qui vient de vous être posée sur la protection du patrimoine dans nos pays africains. C'est souvent difficile, ce qui entraîne parfois leur destruction, voire leur disparition, alors que ces patrimoines qu'on espère ramener ne concourent-ils pas les mêmes, risques? Ne faut-il pas plus mettre l'accent sur le patrimoine qu'on a présentement sur le sol africain? Ça, c'est une autre question qui a été posée. Oui. Madame Louis, vous savez, depuis 1990, j'évolue dans le cercle des musées où l'on discute toujours de la restitution du patrimoine. Vous savez que c'est très facile pour les Européens de dire on peut vous rendre vos objets, mais en Afrique, il n'y a pas de place pour les sécuriser. Vos musées sont des portes ouvertes à tout le monde et les conditions de conservation de ces objets n'y seraient pas. Mais de quel droit on peut voler un objet et dire que maintenant, on met une conditionnalité pour récupérer ces objets? Mais je pense qu'il faudrait faire confiance aux professionnels africains qui sauront que si quand même on leur rend un objet d'un musée européen, un objet qui a été très bien conservé, qui n'a fait l'objet d'aucune malversation, manipulation, etc., et que si on rend cet objet-là sera, je pense, et c'est valorisé dans son contexte actuel. C'est sûr que quand le débat a commencé, beaucoup de musées africains sont de petits musées, mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1990, quand on a organisé quel musée pour l'Afrique, il y a eu un long cheminement des Africains. Beaucoup de professionnels ont été formés dans des universités et des écoles de formation prestigieuses. Je peux citer l'EPA, je peux citer l'Université Senghor d'Alexandrie. Et aujourd'hui, nous avons sur le terrain des tas de jeunes chercheurs qui sont capables de voir quelle est l'importance du patrimoine et quelle est la dimension qu'il faut leur apporter. S'il faut restituer les objets, il faut les restituer. Je pense que également, aujourd'hui, dans la plupart de nos pays, les professionnels sont déjà en contact avec les musées du Quai Branly, les musées allemands, les musées de Grande-Bretagne pour cibler les objets qui y sont et demander le retour. Donc, le processus est enclenché et je pense que avec la construction de ces nouveaux musées en Afrique, on a le cas du Sénégal qui est terminé. On sait qu'il y a la même chose qui se passe au niveau du Cameroun, au niveau de Djibouti, au niveau un peu partout. Il y a un élan vers la constitution de grands musées qui puissent présenter notre patrimoine sous forme d'écran et montrer l'importance que cela a. Je crois qu'il y avait une question sur la diaspora. Bon, moi, je suis bien content que la diaspora africaine puisse voir nos objets dans les grands musées occidentaux. C'est normal qu'ils les admirent, mais je pense que également que tout Africain et que tout Africain de la diaspora, quand il verra un objet patrimonial présenté dans ce cadre, quelle que soit sa beauté, il se dira toujours que cet instrument, que ce témoin serait mieux à la maison. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à cela. Merci, merci, Monsieur Camara. Vous avez bien répondu à la question. Il y a beaucoup de questions actuellement. Il y a aussi des suggestions, des observations
Par exemple, il y a Madame Muriel, c'est Monsieur Muriel Verbeek. Le développement de formation de conservation sur le sol africain est une priorité. Il en est question à RDC et au Sénégal. Je pense qu'il y a une opportunité de faire le lien avec la diaspora sur ce sujet. Donc ça, on peut percevoir comme une contribution. L'autre, les territoires au temps colonial ont évolué. En cas de restitution, il n'y aura pas de confusion. L'autre question de M. Gildas Diélé, je salue les communicateurs. Ma question, c'est comment reconnecter les Africains à leur histoire, à leur propre histoire, leur patrimoine. Donc, il y a aussi la question sur un cas de restitution, retour qui sont en vue à la suite du discours du président Macron à Ouagadougou, quand on sait que les 5 ans donnés sont presque arrivés. Voilà. L'autre question, parce que M. Kamara vient de répondre à cette question, mais il y a beaucoup de questions qui ont été posées, il y a des questions qui s'adressent à M. Kessler, bien-aimé, à M. Ouenoudé. Nous donnons la parole à M. Kessler d'abord. Pour répondre à la question qui a été posée sur l'afro-descendance. S'il vous plaît, Madame la modératrice. Elle est considérée, oui. je voudrais que M. Belli prenne d'abord la parole parce qu'il y a beaucoup de questions concernant le musée, la jeunesse et les communautés. Oui. Question très intéressante d'ailleurs, donc, parce que c'est sur le positionnement des musées. Voilà, donc nous donnons la parole d'abord à M. Belli, avant M. Kessler. M. Belli. Vous avez une question qui vous a été posée sur le positionnement des musées dans la vie, dans l'éducation, la jeunesse, etc. Donc, c'est une question très pertinente. Monsieur Béni, vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup, Madame la Présidente. Et je remercie aussi les intervenants qui ont posé des questions, parmi lesquelles je retrouve des collègues de l'Université Senghor à Alexandrie et puis d'autres qui sont sur le terrain en Afrique de l'Ouest aussi. Alors, il y a un intervenant qui m'a posé la question qui dit être resté sur sa soif parce que j'ai tué le nom d'illustres autres personnalités qui ont quand même fait l'histoire. Je me réjouis d'ailleurs que ce collègue-là rappelle ici ses autres pères dont l'héritage est nécessaire aujourd'hui pour contribuer au développement. Mais mon choix est certes arbitraire. Arbitraire, c'était juste pour illustrer mon propos. Sinon, Kwame Nkrumah, Amilcar Cabral, etc., sont autant de personnalités illustres qui méritent d'être évoquées ici. Mais comme nous n'avons pas le temps devant nous pour dérouler l'héritage de tout un chacun, il a fallu présenter Thomas Sankara et Cheikh Kanta Diop, qui d'ailleurs, je le rappelle, se sont parlé, d'après certaines sources, pour la création de l'Institut des Peuples Noirs. Ce qui concerne la question de l'implication de la jeunesse dans les stratégies pour le développement des musées en Afrique, il faut dire qu'aujourd'hui, la prise en compte de la jeunesse apparaît dans toutes les stratégies publiques au niveau des États. Maintenant, pour ce qui concerne le cas particulier des musées et des institutions culturelles, il faut dire qu'il faut faire une bonne place dans les stratégies des publics. Hein. Dans chaque musée, il y a un service des publics. Je pense qu'il faut faire une bonne place dans les stratégies des publics à la jeunesse. Quand vous prenez par exemple ce qui se passe au Musée national du Burkina Faso, depuis un certain temps, il y a des programmes spécifiques qui sont développés à l'endroit du plus jeune public. Donc, nous avons essayé de faire cette connexion entre les écoles et puis le musée, où nous avons un programme spécifique, on se parle entre enseignants et professionnels de la culture, pour voir comment nous pouvons davantage ajuster donc les programmes culturels donc aux besoins des jeunes. Mais il ne faut pas que cette relation entre jeunes et musées reste une relation à sens unique, c'est-à-dire que dans une relation où le musée se contente à lui seul d'offrir et les jeunes sont spectateurs. Non, il faut que ce soit une relation à double sens, c'est-à-dire qu'il faut que les jeunes... Monsieur Kamal. Oui. Allez-y.
D'accord. Donc, je pense que c'est une relation où les jeunes doivent être aussi actifs que les professionnels dans la conception même des produits qui sont proposés au musée. Je vais parler des expositions, des différents projets, etc. Alors, il y a une autre question sur musée et contribution de la jeunesse et contribution à l'éducation de la jeunesse. Moi, je dis sur cette question aujourd'hui que tout dépend de ce que nous mettons dans le contenu du musée. Voilà pourquoi je pense qu'il faut sortir des sentiers bâtis aujourd'hui en ce qui concerne cette appréciation même de la notion de musée. Monsieur Camara l'a évoqué tout à l'heure. Et nous sommes, depuis 1990, le processus de réflexion et d'adaptation du musée au contexte africain a beaucoup évolué. Donc, même si ce n'est pas parfait, je pense que le débat doit être poursuivi pour voir c'est quel musée nous voulons pour les pays d'Afrique. C'est en ce sens-là que nous pourrons affiner donc, cette participation, ce rôle du musée là, donc, à la contribution, à l'éducation donc, de la jeunesse africaine. Mais, en tout état de cause, je pense que cela part également d'une remise en cause, hein, d'une remise en cause du format classique que nous avons aujourd'hui pour ce qui concerne le musée. D'ailleurs, je conseille mon collègue qui a posé cette question de lire Monsieur Patrick Ifibole qui a fait une excellente contribution à cette question dans un article donc sur l'adaptation des musées aujourd'hui au contexte africain. Et une autre question, c'est l'impact de nos contributions en tant que professionnels de la culture, et si finalement et ce n'est pas les politiques ne nous suivent pas. Moi, je pense, en toute sincérité, qu'il faut contribuer, il faut continuer de faire ces contributions. Il faut continuer de parler, il faut continuer d'écrire, il faut continuer de monter au créneau en tant que jeune et voir quels sont dans nos domaines respectifs. Qu'est-ce que nous pouvons mettre dans la balance pour la faire de notre côté? En ce qui concerne cet aspect aussi, nous avons des moyens de pression que nous pouvons utiliser aujourd'hui donc pour faire pencher la balance de notre côté et puis amener les politiques à obéir, donc à suivre certaines de nos remarques en ce qui concerne la protection et la valorisation du patrimoine culturel. C'est une tâche qui n'est pas toujours facile, mais je pense qu'on ne doit pas se décourager. Le professeur Camara a dit tout à l'heure qu'il faut faire confiance aux professionnels africains, mais je dis il faut que les professionnels africains se fassent d'abord confiance à eux aussi, à eux-mêmes. Voilà, donc c'est en cela que nous allons contribuer donc à valoriser et à promouvoir notre riche patrimoine culturel dans la diversité. Voilà, et Madame la Présidente. Merci. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Belli, pour votre réponse aux questions. Avant de donner la parole à Monsieur Kessler, il y a d'autres questions qui ont été posées. C'est la question du problème des musées qui dit que ça a été résolu. C'est Monsieur Boris Agosadou a été résolu en partie. Est-ce que le problème des nouveaux prêts des biens culturels béninois, bien qu'ils ne reviennent plus au Bénin pas avant 2022, ne relève pas du problème de la médiation culturelle qui n'est pas vraiment évidente dans les musées africains? La question est adressée à M. Ouenoude et à M. Camara. Donc, nous donnons la parole d'abord à M. Kessler, bien-aimé, avant de donner la parole à M. Ouenoude et M. Camara. Merci, Madame la Présidente. Par rapport à l'aspect l'afrodescendance comme axe de coopération, et si je peux répondre, et je crois que cet axe est absolument important d'une part, mais en termes d'effectivité, cet axe est déjà là. Je crois plutôt qu'il faut l'enrichir, qu'il faut l'actualiser, qu'il faut le développer. Et parce que si on se réfère à des moments forts du développement de cet axe de coopération de l'afrodescendance avec l'Afrique, et on se réfère par exemple au congrès des écrivains noirs et artistes qui réunissait une soixantaine de personnalités, et nous avions des Haïtiens comme Jean-Pierre Smas, comme Emmanuel Sepol, et
qui y participaient, bien entendu, aux côtés de monsieur Senghor, aux côtés de monsieur Diop. Et bon, en ce sens, je crois qu'en Haïti, présentement en Haïti, il y a une faculté, un institut qui se consacre aux études et aux études et de recherche et africaines. Maintenant, il y a des éléments, des contenus à développer, à introduire, à insister par rapport à l'axe de coopération et concernant les Afro-descendants. Et donc, il faut se connecter, il faut consolider finalement cet axe et au niveau de la culture, au niveau sportif, au niveau universitaire, au niveau des festivals et autres activités d'animation et concernant notamment et portant sur pour intéresser nos jeunes à découvrir, bien entendu, finalement, l'afro-descendance en tant que telle, identifiée, et donner des contenus ontologiques à ce concept, et d'une part, et voir comment également pouvoir, à partir de cet axe, et développer, c'est-à-dire également et découvrir l'Afrique, à découvrir comme Christophe Colomb l'avait fait, mais découvrir l'Afrique en termes de contenu, en termes de propositions, en termes d'histoire. Donc, je crois, pour répondre brièvement à la question, je crois que cet axe est déjà là, il faut le consolider, il faut le développer, il faut l'enrichir, c'est-à-dire l'afro-descendance et ses liens avec, bien entendu, l'Afrique. Merci, Madame la Présidente. Merci, Kessler. Bon, avant de passer la parole à... Je pense que, Madame la Modératrice, je pense que nous devons essayer de continuer de répondre après le webinaire, parce que le temps imparti fait sa fin. Oui, le temps est en train de partir. On n'a que 4 minutes pour finir, en fait, et ce sera bien de passer à la conclusion. Je vous en prie. Voilà, donc, on va essayer donc de donner la parole aux intervenants pour leur permettre de donner un mot avant de conclure. Bon, sinon, peut-être les clés qui sont ressorties de ces différentes questions posées aux intervenants ont trait surtout à la question du rapatriement des biens culturels. Donc, et M. Camara a répondu à cette question sur le positionnement des musées par rapport à la jeunesse, à l'éducation, mais aussi sur le patrimoine culturel africain ou de la diaspora, les outils, la question des outils, le panafricanisme qui a été posé, comment ça pourrait constituer une contribution au développement du continent, la question des risques pour les biens culturels, est-ce qu'il est possible de faire confiance aux professionnels africains, mais surtout aussi à la question posée sur la diaspora, comment un axe de coopération entre les Africains et la diaspora pour vraiment ancrer le mouvement. Donc ça, c'est autant de questions qui ont été agitées à la suite des interventions. Voilà, donc nous venons d'assister à un webinaire très riche qui a soulevé des points extrêmement importants relatif au retour des biens culturels africains, mais surtout à la question de l'implication de la diaspora, mais surtout de revoir la trajectoire historique du continent, les liens entre le patrimoine et l'histoire, mais aussi à la question des musées. Quelle approche aujourd'hui pour les musées compte tenu du contexte? Voilà, merci. Je vais donner la parole à chaque intervenant pour placer un mot pour qu'on puisse donner ensuite la parole à Espera. Voilà, donc d'abord à M. Ablaye Camara, brièvement. Monsieur Camara, on vous donne la parole pour la synthèse, un petit mot. OK, merci Madame la Présidente. Oui, pour les objets qui ne sont pas encore arrivés au niveau du Bénin, ça dépend du gouvernement béninois. C'est le gouvernement béninois qui a demandé à la France de les conserver un peu, quelque temps, le temps qu'ils finissent leur musée. Donc, il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas un refus de la part de la France.
Et puis, bon, je terminerai en vous disant seulement, c'est très bien qu'on récupère nos objets, mais c'est également, ce serait très bien que l'on protège nos objets sur le terrain. Il se trouve que malheureusement, jusqu'à présent, le pillage continue au niveau du continent africain et qu'il est temps d'arrêter cette hémorragie. Il est temps qu'on fasse nos inventaires, il est temps qu'on procède à de l'archéologie préventive, à l'archéologie de sauvetage et qu'il est temps qu'on lutte pour que les objets africains ne sortent pas. Et je peux vous dire que les objets sortent tous les jours encore. Voilà. Merci, 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 M. Kamara. Notre intervenant, Wenude, si vous avez un dernier mot. Ok, merci, Madame Présidente. Alors, je voudrais remercier l'ICROM pour ce webinaire, même si le temps de parole était assez court. Nous a permis de pouvoir donc mettre en commun nos différentes idées. Et je vais également souscrire donc, dans le même sens que Abdoulaye Camara en disant qu'il est absolument important que la jeunesse africaine, que les populations africaines s'approprient leur propre histoire. Sans connaître notre propre histoire, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Nous ne pouvons pas protéger notre patrimoine. Donc, comprendre ce qu'est notre histoire, ce qu'elle a été, ce qu'elle fut, l'enseigner, la transmettre aux générations suivantes, ça doit être un challenge. Il faut comprendre qu'on peut construire des pays avec les sciences exactes, ce qu'on veut. On peut également, on ne peut pas construire un pays sans faire appel au sens humain. Et je pense qu'il faut pouvoir associer tout le monde, les Africains qui sont sur le territoire africain et ceux de la diaspora. Merci. Merci beaucoup, Madame la Modératrice. Madame Modératrice, je ne voudrais pas vous arrêter. Je voudrais essayer de reprendre la parole parce que nous travaillons vraiment dans le temps et c'est important pour nous. Je suis désolé pour M. Kessler et M. Belli, je ne pourrais pas vous donner la parole parce que le temps est vraiment parti et j'espère que nous allons avoir d'autres discussions, d'autres occasions pour notre webinaire. Je voudrais remercier tout le monde. Je remercie beaucoup les panélistes pour leur intervention, tout le temps qu'ils ont pris à préparer ce webinaire avec nous. Et merci aussi aux participants qui ont posé des questions pertinentes. Et Madame Dattis, pour votre modération qui reste dans le temps et qui nous a permis d'avancer sur les questions. Je voudrais vous dire merci et c'est la fin de cette conférence en ligne de l'ICROM sur le programme Afrique et ce n'est qu'une conférence parmi tant d'autres et nous aurons le temps d'autres discussions après. Je donne la parole à... Je voudrais finir et demander et vous inviter à notre prochaine conférence en ligne qui va avoir lieu le 4 novembre prochain sur le patrimoine et l'action du climat. Et comment construire des synergies pour un changement transformateur. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et nous sommes à votre disposition et pour la prochaine fois. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Bye bye.